今に見てろよ、最後に生き残るのは人類だ。お前らなんかきっと二枚兵長が。まだ何体かいるようだ。兵長、増援を集めてきました。テトラ、お前は下の兵士を解放し、残りの全員で巨人を片付ける。Eh bah dis donc, ça commence bien. Salut tout le monde, c'est Lucas, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Let's Play de Shingeki no Kyojin. J'ai bien fait exprès de l'écorcher, vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, il y a la petite fiche en haut à droite, hein. Et puis moi, bon bah là, je suis parti, hein, avec Levi, trop chaud pour dégommer du titan à foison. Alors là, est-ce que c'est le sauvetage là? Est-ce que là c'est le vrai sauvetage? Non, on n'y est pas encore au moment du sauvetage. Quand ils viennent tels des héros pour sauver les habitants de la cité, voilà. Tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Bon, alors du coup on a tout ça à massacrer nous. Ça va pas être si évident. Hop là. Voilà. J'espère que vous appréciez le retour de la qualité premium 60 FPS, HD, TMTC, tout ça. Oh, ah bah j'avais pas vu qu'il y en avait un autre, tiens. Ch-tac. C'est pas celle-là que je voulais péter comme jambe. Si, c'est celle-là, qu'est-ce que je raconte? Donc on doit protéger le centre. L'humanité se fait un peu dégommer là, pour tout avouer. Voilà. On enchaîne calmement. Je me demande vraiment jusqu'où va aller le jeu là. Enfin, je me demande vraiment comment ça va avancer parce que c'est très très lent. Mais vraiment très très lent. Pff, ouais, non, lui il est trop loin, ça sert à rien. Je récupère des trucs. Des petites. Ah, ils l'ont fait tomber. Alors, moi apparemment, il faut que j'aille en bas à gauche là. Alors, attends. Parce que je voulais d'abord m'occuper de ces petits titans là qui font chier un peu tout le monde. Voilà. Je vais t'apprendre, moi. Je vais t'apprendre ce que c'est de défier le bataillon d'exploration. Voilà. Alors attends, mais toi je t'avais recruté, pourquoi t'es pas venu? Ok. Toi aussi. Enfin non, toi donne-moi quelque chose. Bon. Il est temps d'aller faire régner l'ordre. J'en récupère juste un. Non, tant pis. Allez, on va y aller sans lui. Pas besoin. On peut y aller tout seul, nous. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis le capitaine Levi. Oh, il est chaud, lui. Eh, t'as l'air chaud bouillant, toi. Voilà. Je vais te calmer, hein. Mais venez tous vers moi, les gars. Y a pas de soucis. Venez tous. Moi, je vous annihile. Annihiler. Ouais, c'est bien ça. Hop. Ok. Vous êtes sûr que vous voulez faire face à moi? Bande de cso. Merde. Bon. Changement de plan. Alors, allez dans la nuque à lui. Voilà. Quoi? Il m'a bouffé? En fait, vous êtes beaucoup, ouais, c'est pas si simple. On en a niqué. Tué, pardon. Plusieurs en même temps. Voilà, au niveau de la vie, je suis un peu dans le pipe. Faut que je fasse attention. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils s'agglutinent tous, donc forcément, c'est pas non plus très évident. Là, tu vois que le gameplay devient un peu plus chaud. Du coup, ce qui est normal, plus on avance dans le jeu, plus ça devient difficile. Je suis totalement d'accord avec cette philosophie de la vie. Mais tu vois, un coup n'est plus suffisant. Il va falloir que j'améliore mes armes. Et Dardar.
Je vais reprendre un peu de vie parce que je suis dans le mal. Je vais boire un petit coup de café. Ah, y a rien qui presse. Y a rien qui presse. On va aller les sauver tranquillement. Voilà. Bon alors, du coup, maintenant, comme ça fait pas mal de temps que le let's play est sorti, dites-moi si vous êtes toujours convaincu par le jeu. Attends, attends. Non, non, non. Laisse mon pote. Je recrute de nouvelles recrues. Je sais, c'est dénué de sens ce que je viens de raconter. Mais c'est la réalité. Alors, vas-y. Ah, lui, il est chaud, lui. Lui, là-bas, il est chaud. Celui qui renifle tout le temps, là. Il est chaud. Je le veux dans ma team. Arigato, Rivai. Nanananananana. Oh putain, mais il fait tout tomber. On a plus d'architecte pour refaire tout ça. Tiens, ça te coûtera un bras. Ah, il est mort. Il est mort, l'affreux. Ok. T'as besoin d'aide, toi? J'ai vu que tu m'avais appelé. Non, merde, c'est pas lui que je voulais aider. Non, merde. Du coup, j'ai déclenché le mode histoire un peu trop tôt. Waouh, 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 waouh. R2, R2. Oh là là, fallait pas que je fasse ça. Fallait pas que je fasse ça parce que du coup, là, ça va être très compliqué pour moi de tout gérer. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça met du challenge. On est là pour ça. Lucas TV, la chaîne du challenge. Voilà, calmement. Ouais. Là, le bras. Ça m'intéresse fortement. Agonise en silence, s'il te plaît. D'accord. Ah, il y en a encore un. Oh, un tout petit. Un petit mignon. Je les appelle les mignons, ceux-là. Oh, putain. Il y en a un autre à sauver quelque part par là. Le mec qui se croque toujours là. La lèvre. Que j'aime bien. Je l'aime bien, c'est un bon pote à moi. Voilà. Mais le jeu avance d'une lenteur assez incroyable, hein. Pour ceux qui me disaient que le mode histoire était court, bon bah écoute, je m'attendais encore plus court, hein. Franchement, moi quand on me dit court, c'est vraiment court. Là, ça va. On va aller sauver l'autre là-bas. Comme ça, on va avoir là. Bah, on a déjà une équipe putain de badass, donc ça sert peut-être à rien. Mais de toute façon, là, c'est rempli de titans. Donc il faut faire un peu le tri. Voilà. Plus on tue de titans, mieux c'est, les gars. Hein, je vous le dis tout le temps. Bon, lui, par contre, ok. Ok. Waouh, waouh, il y a les titans noirs qui s'approchent du centre. Mauvais délire. Je vais vite m'occuper d'eux. Putain. Oui, 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 je sais que vous avez besoin d'aide. J'arrive, j'arrive. J'arrive, restez tranquille. Passons, eux vont au centre aussi. Donc du coup, on va faire d'une pierre deux coups. Voilà. Ouais, il y en a encore quelques-uns là. Waouh, 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 waouh. J'arrive, 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 j'arrive. Ok, là, ça commence un peu trop. Wow. Il y en a trop, il y en a trop. Calmez-vous tous. Levi arrive. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'il s'est mangé, le pauvre? Pauvre petit gars. Non, c'est ça que je veux. Tac. Ouais, mais là, je vais faire... Là, je vais faire du très très sale, du haché menu, comme on dit. On est toujours plus d'humains que de titans, vous le voyez par rapport à l'indice en haut à droite. Donc c'est bon. En plus, j'ai une équipe plutôt solide avec moi. Oh, j'en ai esquivé un, vous l'avez vu? Il y en a un qui a voulu jeter sur moi, je l'ai esquive d'une puissance. Il a rien compris, le pauvre. Eux, j'aime bien parce qu'ils sont pas chiants à tuer. Ils ont jamais de gemmes sur eux. Donc tac, t'arrives. Tu lui fais un petit coup. Par derrière. Par là-bas, par là-bas, par là-bas, par là-bas. Ils ont besoin d'aide. J'arrive, Minna-san. Ouais, il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup. On va essayer de les disperser déjà un peu. Parce que là, ils sont tous au même endroit. J'avoue que c'est chaud. Déjà les plus gros. Voilà.
pas trop les laisser s'approcher du centre. C'est bon, là on est en train de bien exterminer comme il faut. J'ai foi en mes potes. Bon, même s'il y en a qui crèvent au milieu, faut toujours quelques sacrifices. C'est ce qu'on dit et c'est valable pour tout. Voilà. Il faut sacrifier quelques petites énergumènes pour que l'humanité puisse survivre. Eh ben toi tu pourras plus te mettre la tête entre les mains parce que je t'ai découpé les mains. Donc du coup c'est vrai que ça va être un peu plus difficile. Voilà. Bah voilà. Il y en a encore un là-bas là. Ils sont tous dessus, c'est incroyable. Ils étaient 50 000 dessus. Donc voilà, maintenant vous pouvez vous arrêter et me donner tout ce que vous avez à me donner, les gars. Je suis un pote. Il y en a plein qui sont décédés là. Bah ouais, hein. Ah non, ça fait le prout, ça veut dire que... Non mais... Oh. Bon, on va y aller. Pas dans l'église, Levi, s'il te plaît. Toi qui es censé être un pro du maniement tridimensionnel, tu me déçois, Levi. Donc là, le but, c'est de tous les exterminer, en fait. D'après ce que j'ai compris. Ok. Putain, mais t'as vu combien on est, frère? Pourquoi est-ce qu'on se regroupe tous au même endroit? Je sais pas, prenez-vous chacun un titan. Au début, je pouvais appuyer sur rond et envoyer mes poteaux, mais maintenant, ça fonctionne plus, je sais pas pourquoi. Ça marche plus. J'ai beau tout essayer, ça ne fonctionne plus. Ah-ta-ta ! Voilà. Alors, on a encore un qui squatte là-bas à gauche. Mais on s'en fout. Et le boss arrive. Il va pas arriver tout seul, je suppose, si. Ah bah si, il est arrivé tout seul. Ok, on y va. Oh, j'adore me balader comme ça dans les airs. Ouais bah ouais, ils sont plusieurs. Forcément. Ouh, attends, vous êtes un peu beaucoup là. Laisse-moi le temps de... Ah mais ils l'ont tué. Mais moi je voulais les joyaux. Bande de fous. Non mais c'est ça, quand les titans sont regroupés après, c'est la galère. Oh putain, il est pas mort j'espère. Ah, il m'a mis un coup de... Tu m'as mis un coup de pied, toi. Tiens ta jambe. Voilà. Tiens la deuxième jambe. Voilà. Ah, faut tout lui découper à lui aussi. En tout cas, au niveau des éléments du décor, c'est vraiment super bien fait, je trouve. Parce que là, tu vois, le titan, il s'est... Bon, il a tout détruit, du coup. Et il s'est affaissé sur le truc. Et bye bye. Oh putain, on est tous arrivés en mode furie. Qu'est-ce qui se passe? Plus de titan. Ah, il y a eu des morts, bah ouais. Ah mais lui, il y a plus qu'une petite égratignure normalement. Ah oui, elle lui dit j'espère que sa mort n'aura pas servi à rien. Elle dit t'inquiète, on va anéantir tous ces putains de titans de fils de pute. Je t'en fais la promesse. En tant que Levi. Voilà. C'est à peu près ça qu'il lui dit. Je comprends pas le japonais, hein, mais... Je pense que je suis pas trop loin de la vérité. Voilà, et là elle lui dit, il faut rentrer à la ville, il y a une attaque de titans, et donc là ils vont arriver dans les 2 ans plus tard, et puis ils vont sauver tout le monde. Ah, rang S partout là, full rang S, bah ouais frère.
42 titans d'exterminer, attends. 42 titans, je sais pas si tu te rends compte. C'est énorme. Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Ça se trouve, c'est tout à fait normal. On va pas sauvegarder maintenant, j'ai foi en mon jeu qui ne va pas déconner. Ça, c'est toujours l'éternel dilemme. Alors, on va prendre le temps de se préparer quand même et d'améliorer notre arme. Parce que là, je ne les découpe plus du premier coup. Et donc, c'est pas bon signe. Ah, on va... Non, dis-moi pas que... On va se retaper une mission entre les deux villes. Parce que ça, ce serait chiant. C'est vraiment rallonger pour rallonger. Elle est où l'épée? Elle est là. Plus 100. Ah si, je peux! Allez, l'épée! Yatta! Je peux enfin avoir l'épée. Est-ce que je peux la customiser? Non, je peux pas. Ah mais attends, mais elle est badass! C'est quoi déjà ça? La taille? Ou elle est plus grande? Elle fait plus de damage. Et elle dure moins longtemps. Mais la durabilité, on s'en fout. Parce que franchement, depuis le début du jeu, j'ai pas eu une seule fois à changer mes lames. Donc c'est pour te dire que la durabilité, Osef. Allez, on y va, c'est parti. Je vais te montrer le pouvoir de mes sabres. Allez, c'est parti. Donc en fait, j'avais bien crafté. Crafté, mais... Si, crafté, on peut dire crafté, ça existe pas que dans Minecraft, crafté, bordel. Hein, dites-moi dans les commentaires. On peut dire crafté pour tout. À partir du moment où tu construis quelque chose, tu craftes. Voilà. Le mec, il s'embrouille lui-même. Je suis tout seul dans ma chambre en train de m'embrouiller, là. Dis-toi ça. J'ai l'air d'un fou aux yeux de mes voisins, putain. Yokai. Oh non, mais putain, vous faites chier. C'est trop rallongé. Bon, moi ça me va parce que du coup je suis toujours au tome 5, je sais. Faut que je lise le 6. Ça va arriver, t'inquiète. Là après, juste après cet épisode, je te promets que je lis le 6. Et si au prochain épisode t'entends que j'ai pas encore lu le 6, t'as le droit de mettre un dislike. Il va falloir abandonner les chevaux. Putain, au nord, ils sont en train de se faire démolir. Ah! Merde, ils arrivent par derrière. Oui, oui, je sais qu'ils arrivent. Touché! Yatta! Ouais, mais je suis trop précis! Oh la précision! Oh la précision! Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Bon, j'avoue, à la base, c'était pas fait pour tuer les titans, mais... Bon, ramenez-vous tous! Attends. Oh merde, je l'ai loupé. Doucement, toi! Oh putain, mais j'arrive pas à le viser. Voilà. Voilà. Et voilà. Ok. On sort de là. Et on y va. Avec mes sabres totalement badass. Allez. Je vais les tester. Pour la première fois, je sors mes sabres. Bon. J'ai l'impression que je fais un peu moins de dégâts, mais après... Ce n'est peut-être qu'une impression, vous allez me dire. Toi aussi là, toi aussi tu vas avoir le droit. C'est pas... C'est pas ça que je voulais lui couper. Pour ma gouverne. Ah bah oui, je suis tout seul. Je n'ai pas d'allié là dans cette mission. Cheval. Ah, mon nouveau cheval supersonique. Je vais l'appeler Sonic. Lourd, hein. Je sais, je suis très très bon pour trouver des surnoms. Bon. Surtout qu'on est déjà passé par là 1 million de fois au moins déjà. Au moins 1 million. Là. Bon, là, je sais que c'est pas du tout par là que je devais passer.
mais c'est pas grave. Casse-toi, toi! Bah non, c'est lui, je suis con. J'ai cru qu'il y en a un qui s'était mis en face, genre pour faire bouclier. Non, 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 non. Tu lâches. Tu lâches le mec que t'allais prendre. Et tu te laisses découper calmement, ok? Voilà. Oh putain, mais ça se fait. Ça se fait bouffer de partout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais! Il y en a trop là! Comment tu veux que je vienne à bout de tout ça, moi? Il y en a beaucoup trop ici! Attends, c'est où? C'est où? Ils sont 500 millions, au moins 500 millions. J'exagère même pas. Ok! Ah, mais c'est des petits, ça va. Quand c'est des petits, ils peuvent être beaucoup, ça me dérange pas. Et quand ils sont beaucoup et que c'est des grands en plus, là c'est chiant. Puis j'ai recruté le. Le mec qui se bouffe toujours la langue là, donc du coup c'est bon. Est-ce que je continue par là ou je reviens derrière sauver la meuf? On continue, on continue. Allez. Ah! Mais ça ne va pas dans... Ah voilà, mon pote il m'a sauvé. Alléluia, merci. Ça va, t'es quand même un peu utile. Oh putain. Allez, tranche! Voilà. Alors j'ai mis 30 ans à le tuer, mais quand même rang S. Oh, j'ai fait une balle courbée. Enfin, j'ai fait un tranchage courbé comme dans Olivier Tom. Lourd. Toi, je te prends ta jambe. Même les deux. Waouh. Il a dégusté. Oui, mais tes Nakama arrivent, mais laisse-moi le temps d'arriver aussi. Vous voulez tous que je vous sauve, mais vous me laissez pas le temps. Quoi, c'est quoi ça encore? C'est quoi ces gros là? Putain, il y en a trop! SOS, SOS! Il y a des SOS partout, tous les cris des SOS partout dans les airs, TMTC. Attends, laisse-moi. Oh merde, échec, il y en a un qui est mort! Échec de ma mission, vous êtes sérieux? Ok. Là, je rentre en mode, je rigole plus avec vous. Là, je rigole plus avec vous. C'est fini. Vous m'avez trop cherché. Vous m'avez trop cherché, les mecs. Merde, vous avez voulu faire les malins avec mes potes? Ok. Oh mais, vous avez tous des petits trucs pour moi ici? Allez. Attends, Titan, tu peux tomber ailleurs s'il te plaît? T'as un squinté. Bon, on reviendra ici plus tard. Il y en a une qui demande notre aide là-bas. Ah, on lui a coupé les deux jambes en même temps, super. Ah bah non, en fait, non. Quel con je suis. Casse-toi. Voilà, désintègre-toi. Laisse-moi aller sauver ma pote. Du coup, je vais prendre une petite nouvelle recrue avec moi. Mon cheval, tu me sers à rien. Mais vous êtes con à chaque fois de me faire revenir en arrière, putain. Pour deux titans? Vous êtes sérieux? Vous savez pas vous en occuper tout seul? Regarde, t'arrives, tu tranches. Pourtant pas compliqué. Imagine que c'est une tranche des mentales, sa nuque. Bon bah voilà, si t'as très très faim, tu la tranches sans te poser de questions. Putain, ça veut absolument rien dire ce que je viens de vous raconter, putain, honte à moi. Ah bah oui, l'arbre, hein. Ah, tu t'es bien caché derrière un arbre, toi. Là, je passe au travers de l'arbre, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, tu m'as saoulé. Voilà. Troisième recrue. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Ouais. On peut y aller avec la bonbonne au calme. Hop. Oh, vous êtes déjà là. Ouais, je sais, il y a le truc pour envoyer des bombes, mais franchement, là, je vois pas à quoi ça sert. Je peux très bien m'en sortir tout seul. Ah, il va falloir que je l'utilise pour casser la... Le mur, ok. J'étais pas sur mon cheval, mais bon, c'est pas grave. Ça tranche des mers par ici, hein.
Ça tranche des darons. Sans pression, voilà. Ok, merci à tous. Voilà, cassez-vous maintenant. Et vous êtes très très fort pour casser les couilles, hein. Tchou ! On se croirait au bowling, tu sais. J'arrive, les gars. Le big boss est là. Attends, mais on est aux abords de la ville, là, si je dis pas de bêtises. Si je dis sûrement des bêtises. Oula, attends. Faut que je me mette en R2 parce que j'ai plus de bonbonnes. Levi, il m'a arrêté de tous me solliciter tout le temps. Vous êtes très très chiants, les gars. Je sais que je suis le meilleur, je sais que je suis le plus beau. Et que je tranche très très bien les titans. Mais arrêtez à chaque fois de me solliciter, bordel. On est le bataillon d'exploration, on n'est pas le bataillon Levi. Oh putain, ça se prend des murs. Sans pression. Où tu vas, toi, mon cher ami? Ta place est là. En cendre. Et bah très très bien les épées, hein. Je valide les épées. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là-bas? Faut que j'y aille. On arrive. Pourtant le trou a déjà été rebouché, mais bon, c'est pas grave. Ah bah voilà. Oh putain. Donc on va devoir passer au-dessus. Là, il doit se dire, mais putain, qui a fait ça? Qui a réussi à reboucher le trou? Il y a un souci, là. Wow! Il a trop fait de muscu, lui! Ah, ça, c'est ce qu'on avait vu dans le trailer. Mais tu feras pas le poids, mon gros. Ouf. Oh, putain! T'as vu comme il est puissant? Même on s'y met tous, ça lui fait rien. Bam. Ok. Oh putain, eh, va falloir y aller. Oh putain, il y en a d'autres qui arrivent en plus. Attends. Attends. On se fait les autres aussi. Oh putain, mais ils arrivent tous, ça va être chaud bouillant. Bon, lui, on l'a réduit quasiment en cendres, donc vas-y, je m'occupe des autres. Tant qu'il y a du titan à tabasser, moi, je le fais. Ça me pose pas de problème. Ouah, il rampe aussi. C'est pas du jeu. Oh putain, tellement badass le bataillon, bordel. Tac. Et du coup, comme on lui a enlevé les jambes, bon, bah, il peut plus faire grand-chose. Il peut que ramper. Bon. Vous avez vu que je démolis tout le monde, mais vous revenez à la charge, hein. Je crois que vous comprenez pas ma puissance. Non, non, non. Lâche mon pote. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on aime. On récupère tous les petits... tout ce qu'on peut récupérer, on le récupère. Et l'autre, il me regarde, il est en mode vénère. Putain, il est en train de niquer tous mes congénères. Qu'est-ce qui se passe? Attends, il y en a d'autres là. Attends, on va s'écarter un peu de tout le monde. Voilà. On prend un peu d'espace, hein. Non mais les gars, mais vous, mais... Surtout toi, regarde la taille que tu fais. Qu'est-ce que tu vas faire, mon pote? Ok, maintenant, venez. Vas-y, viens. Bon, il en reste 3 moyens. Qui en plus n'ont pas de minerais. Bon. Est-ce que ça vaut le coup de... Ouais, allez. Comme ça, l'autre, on va bien pouvoir le faire souffrir tranquillement. Voilà. Et donc, il reste plus que l'autre. Hé, gros. J'ai un cadeau pour toi. Je t'ai réservé, mais... Oh, le pauvre. Ah ouais, mais tu peux ramper, hein. Tu peux ramper, ce sera même pas suffisant, frère. Chut.
Mais t'as vu tous les dégâts? Allez, par derrière. Merde. Voilà. Ah, à force de rigoler, on n'arrive plus. Bronze. Ah ouais, mais j'ai mis trop de temps avant de le tuer. Et là, il va redescendre et trancher une nuque en même temps aussi. Cette classe. Cette classe. Eh non. Faux raccord. Normalement j'ai mis les sabres. À Levi. Et là il se bat pas avec les sabres. Donc là, ils vont raconter tout ce qui s'est passé, je pense. L'objectif, c'est de reconquérir le Wall Rose qui a été dérobé il y a 5 ans lors de la première attaque du Titan Colossal. Et donc Eren va devoir intégrer le bataillon d'exploration. Aussi simple que cela. Bon, de toute façon, moi j'ai pas le choix de vous laisser là. Parce que du coup, je suis en retard. Enfin, je vais pas tarder à être en retard, donc il faut que je lise les tomes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner et à regarder dans la description les réseaux sociaux pour me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, tout ce que vous voulez. Même venir chez moi, il n'y a pas de souci. Non, peut-être pas jusqu'à là. Allez, à bientôt. Ciao.